3, 18e accueille Lille 4e. Si pour les Stacks cette rencontre ne comporte pas un enjeu majeur puisque la relégation est déjà entérinée, pour le LOSC en revanche, une victoire au Stade de l'Aube assurerait une place européenne pour la saison prochaine. Les Troyens auront à cœur de terminer par un succès, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 20 rencontres, 5 nuls et 15 défaites. C'est la plus longue série en cours dans les 5 grands championnats. Lille dangereux sur coup de pied arrêté avec ce geste acrobatique de Benjamin André. Ça n'attrape pas le cadre de Gauthier Gallon. Lille insiste, tient le ballon et se montre globalement plus dangereux que son adversaire. La frappe excentrée de Jonathan David, pas de problème pour le gardien troyen. On accélère en jouant une touche de balle. On arrive à trouver des solutions désormais dans la surface de réparation. Mais encore une fois, Gauthier Gallon qui s'interpose devant Angel Gomez. Trois répliques par à coup avec Ronny Lopez qui va trouver une solution à l'intérieur. La frappe manque de puissance pour inquiéter davantage Lucas Chevalier. Les hommes de Paulo Fonseca tout proche d'ouvrir le score. La frappe d'Angel Gomez va terminer sur la barre transversale de Gauthier Gallon. Les situations se multiplient pour les nordistes. Pas plus de réussite ici pour Angel Gomez. Son coup franc heurte le montant de Gallon. 0-0, c'est le score à la pause. Les Stacks qui s'est incliné lors de la dernière journée de 2-1 face à Angers. Après avoir mené, les hommes de Patrick Kisnorbo se sont inclinés. C'était la 10e défaite après avoir ouvert le score. 52 points perdus après avoir mené pour les Troyens. Et ils vont concéder l'ouverture du score ce soir. Puisque Lille va enfin être récompensée de sa domination. 52e minute. Bafodé, Diakité, l'ancien Toulousain, parvient à marquer. Il est pris à contre-pied. Gauthier Gallon ne peut rien faire. Il pousse pour se mettre à l'abri et éviter des mésaventures à l'extérieur puisque 7 des 9 défaites cette saison ont été en déplacement. Ils sont dominateurs mais ne sont pas à l'abri les Lillois. Et cela va se confirmer avec ce beau mouvement en une touche de balle. C'est Ronny Lopez, l'ancien Lillois, qui de sa patte gauche va placer le ballon hors de portée de Lucas Chevalier. 7e but pour Ronny Lopez. Un but partout à la 72e minute. Un 11e match nul à domicile se profile pour les Stacks. Et Lille ne s'est pas imposé lors des 4 derniers déplacements, insiste pour reprendre l'avantage. Ce ne sera pas le cas ici. La tension dans le board lillois. Un but partout, score final. Malgré 67 points au compteur, Lille termine en dehors du top 4. Une 5e place qui offre tout de même aux Lillois une qualification en Ligue Europa Conférence. 3 quittent la Ligue 1 Uber Eats sans succès lors des 21 dernières rencontres.